Petit pic mineur. Ah. Il remplit son bec. Il va aller nourrir les bébés. Ce sera pas long, ma belle. On va attendre le bébé qui remplit tout son bec. Pour aller nourrir ses petits bébés dans le nichoir. Ouais, on va y aller. Ah, il est parti. Voilà ma dernière installation qui est sur un bain d'oiseaux sur lequel j'ai placé un cube en métal grillagé qui est attaché avec des tie wraps sur le bain d'oiseaux. Le bain, lui, est monté sur une tige avec un gros cube de bois à la base retenu avec des pierres. Alors, on l'installe à la hauteur qu'on désire. À l'intérieur du cube, j'ai placé une petite mangeoire avec un petit plateau. Et puis, sur le dessus, j'ai placé un morceau de plastique. C'est du coroplasme, qu'on appelle, que j'ai peint à l'acrylique. Puis, j'ai verni par-dessus. Alors, sur le dessus, un petit rondin pour le pain d'oiseau, une petite brouette pour des graines, un petit contenant avec des arachides pour mes petites mésanges. Alors, ça fait un petit setup pas dispendieux. Puis, j'ai attaché deux petites mangeoires sur les grilles avec des crochets en haut du plafond. Alors, ça fait un petit setup agréable à voir. J'ai aussi une petite mangeoire que j'ai reçue en cadeau de Gem. Et puis, ma petite mangeoire que j'ai gagnée à un tirage
à la remise du prix Michel Charette à Victoriaville. Alors, ça fait du nouveau. Puis, les oiseaux aiment bien ça. Thank you.